طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alors ça, les enfants, c'est le premier pilier de l'islam. C'est la shahada, l'attestation de foi. Toute personne qui la dit, qui la comprend, qui prend conscience de ce qu'il dit, il comprend ce qu'il dit et il l'applique, entrera au paradis. Ça veut dire, la ilaha illallah, que parmi tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, la seule divinité qui mérite d'être adorée en vérité, c'est qui c'est? Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. C'est un serviteur d'Allah. Ça veut dire je n'adore pas Muhammad, mais j'adore Allah. Mais j'adore Allah comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a adoré Allah azza wa jal. Alors la question d'aujourd'hui, elle va vous faire rire un petit peu, mais c'est une question qui est importante. Oui, je la connais. Qui a été créé en premier? Adam. Le singe ou Adam, alayhi salam? Adam. Vous dites tous Adam? Alors écoutez, pourquoi on pose cette question? Parce que des fois, on entend que l'homme, il descend du singe. Des fois, à l'école, on va apprendre que l'homme, il descend du singe. Et c'est ce que l'on appelle la théorie de l'évolution. C'est quoi une théorie? Une théorie, c'est une tentative d'explication. D'accord? Une tentative d'explication. Souviens-toi, je t'ai demandé de t'asseoir ici. Une tentative d'explication, c'est quoi? C'est quand on essaye d'expliquer une chose. Mais quand on essaye d'expliquer une chose, est-ce que c'est obligé que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est obligé que c'est comme ça et pas... Non, on essaye. Eux, ils ont essayé. Est-ce qu'ils ont eu raison? Non. Non. Parce qu'ils ont dit que l'homme, il descend du singe. Il disait qu'au début, il n'y avait pas d'être humain, c'était des poissons. Après les poissons, ça a été une forme de vie comme des singes. Après les singes, ils sont devenus en être humain. Et qu'en réalité, le père de tous les êtres humains, c'était un singe. Est-ce que notre père, c'était des singes, c'est un singe? Est-ce que nos arrière-grands-pères, c'était des singes? Parce que, ben, très simplement... On apprend. T'apprends quoi? Explique-nous. À l'école, en temps. Il y a la en temps, oui. Qui nous apprend le temps. Oui, vas-y, continue. Avant, qu'est-ce qu'elle t'apprend? Avant que ça devienne vraiment un homme, il ressemblait à un singe. Alors ça, c'est très bien ce que tu dis, puisque c'est bien que tu nous expliques ce que tu apprends. Ça, c'est ce qu'ils t'apprennent. Mais est-ce que tout ce qu'on t'apprend, c'est vrai? Non. Nous, quand on est comme ça à l'école, toi tu es à l'école, tu écoutes ce qu'on te dit. Par contre, écouter, respecter la maîtresse, ce qu'elle te dit, c'est une chose. Par contre, croire en tout ce qu'elle te dit, c'est une autre chose. Et moi, lorsque j'apprends quelque chose, je dois le comparer. Est-ce que le Coran est d'accord avec cela? Et ça, non. Parce que le Coran, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que le Coran, il nous enseigne que qui est le premier des êtres humains? C'est Adam, alayhi salam. Est-ce que c'est Lucie? Ou est-ce que c'est les hommes des cavernes ou les hommes préhistoriques? Non. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que le premier des êtres humains, est-ce que Adam, il ressemblait à un singe? Non. Adam, alayhi salam, il était beau. Il était magnifique. Il était très grand. C'était un homme. Il avait de la force. C'était pas un singe. Hein? Il ne ressemblait pas à un singe. Adam alayhi salam. Donc ça, c'est une chose importante, les enfants. C'est que le père de tous les hommes n'est pas un singe. Mais le père de tous les hommes, c'est un homme. Le père des êtres humains, c'est pas un animal. Le père des êtres humains, c'est un être humain. Ouais, mais est-ce que ton père, c'est le père de tous les êtres humains? Non. C'est qui le père de tous les êtres humains? Aboul Bachar,
C'est qui? C'est Adam alayhi salam. Répétez. Adam alayhi salam. C'est lui le premier des êtres humains. Et c'est qui la première? Donc lui c'est le premier homme. C'est qui la première femme? Ayoub. C'est Hawa. Répétez Hawa. C'est Ève. C'est Hawa. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a créés pourquoi? Il les a, Allah azza wa jalla, il a créé la femme pour qu'elle tient compagnie à l'homme. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que Hawa, Ève, soit la femme de Adam alayhi salam. Et ils ont vécu ensemble, en couple. Ils ont eu des enfants jusqu'à ce qu'ils ont peuplé la terre entière. Au début, ils étaient que deux. Ensuite, ils ont eu des enfants, qu'ils 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 ont... Tous ces enfants, ils sont nos cousins. Ben, en réalité, tous les êtres humains, ils sont, c'est même plus que des cousins, c'est comme des frères. Parce qu'à la base, on a tous le même père et la même mère, ce qu'on appelle l'humanité. D'accord ? Les êtres humains, on est tous des êtres humains. Et après, bien sûr, il y a des frères et des sœurs de religion, où là, c'est-à-dire qu'un musulman et une musulmane, tu vas le considérer, la considérer comme un frère et comme une sœur. Donc, on termine sur cela, sur le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Allah, il a créé Adam à partir de quoi? À partir d'une poignée de terre. L'argile, c'est de la terre. D'accord ? Il a créé à partir d'une poignée de terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris. Vous avez vu la terre, elle n'est pas tous de la même couleur. Elle n'est pas tous de la même. T'as de la terre qui est dure. T'as de la terre qui est douce, t'as de la terre qui est mou, t'as de la terre qui est rouge, t'as de la terre qui est blanche, t'as de la terre qui est noire. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a différents types de terre. Allah Azza wa Jal, il a pris une poignée de chaque couleur. C'est pour cela que les êtres humains, ils sont des différentes couleurs. Et des fois, vous savez ce qui se passe? Il y a du racisme entre les gens. Ils vont se moquer de leur camarade parce qu'elle est noire. Ou elles vont se moquer de leur camarade parce qu'il est algérien, ou marocain, ou tunisien, ou égyptien, ou sénégalais, ou malien, ou comorien, ou peu importe. Alors qu'en réalité, on est tous des êtres humains. Si tu vois ta camarade qui est noire, ou qui est toute blanche, ou qui est grand, ou qui est petit, ou... Alors, ça fait quoi? Exactement. Qui l'a créé? Allah. C'est Allah. Est-ce qu'on peut se moquer d'une création d'Allah? Eh ben non. Et c'est pour cela qu'en réalité, quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui est bête. Parce qu'il ne réfléchit même pas. D'accord? Alors qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créé à partir d'une poignée de terre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit. Et c'est pour ça, et c'est pour cela que parmi la descendance de Adam, parmi les êtres humains, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont rouges. Rouge, en fait, c'est comme les Indiens, etc. C'est dans ce sens-là, c'est la peau qui est de cette couleur-là. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs. Également, on a dit, il y a des terres qui sont mauvaises, ben, il y a des mauvais hommes. Il y a des terres qui sont bonnes, il y a des bons êtres humains. Il y a des terres qui sont douces, c'est pour cela qu'il y a des êtres humains qui sont doux. Il y a des terres qui sont dures, c'est pour cela qu'il y en a qui sont dures, etc. etc. Vous avez compris? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il a créé Adam à partir d'une poignée de terres de différentes couleurs. Et c'est pour cela que nous avons différentes couleurs, etc. Donc on retient, est-ce que l'homme descend du singe? Non. Non. Le singe, c'est une créature d'Allah. On respecte le singe. Oui. L'être humain, c'est une autre créature d'Allah. D'accord? Mais les deux ne sont pas liés. Le singe, c'est un animal. L'être humain, c'est un être humain. D'accord, les enfants? On s'arrête ici, Inch'Allah, et on reprend, bi'idhnillah, au prochain cours pour les autres leçons. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.